Alors nous arrivons chez Action. Alors on est avec Johanna, son papa et moi. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un défi, 20 euros chacune. Donc voilà, on va chez Action qui se trouve juste là et on va faire le défi 20 euros chacune. Tu es prête pour dépenser 20 euros? Et moi aussi, il faut que je dépense 20 euros. Alors c'est parti, on va rentrer dans le magasin et on vous montrera ça à la sortie, à la maison, le haul qu'on a fait. Là, on sort d'Action, bon, on a fait péter hein, le budget, Johanna elle était à 28 euros et moi à 25 euros. Donc là, on rentre à la maison et puis on va vous montrer toutes nos trouvailles. Puis, alors là, on revient d'Action, on avait un challenge, c'était 20 euros chacune. Et du coup, on devait faire 20 euros d'achat chacune. Donc, comme vous pouvez le deviner, on a explosé le compteur. Donc, Johanna, elle en a eu pour 28,77 €. Elle va vous présenter ce qu'elle a pris. Donc, ça va, vas-y. Regardez. Et après, moi, je vous présenterai ce que j'ai acheté. Donc, on va commencer par un oreiller. Alors, mets-le bien dans le cadre. Waouh, il est beau. Alors, un bel oreiller chat emoji. Hop, on les mettra dans les vidéos, ouais. Et oui, comme tous les youtubeurs. Alors, ah oui, le chat emoji, il coûte 2,99 €. Après, j'ai eu les masques. Waouh, ils sont géniaux. La semaine. Donc, 7 jours, 7 masques. Donc, 7 jours, 7 masques. Et c'est sur les sodas en plus, j'ai remarqué. Oui, et regardez derrière, j'ai. Oh, c'est joli holographique. Donc, ça, elle a payé ça 3,95 €. Smoothie, ils ont appelé ça. 7 masques smoothie. 7 jours. Après, j'ai acheté ça. Comment c'est, ça s'appelle? C'est un petit calepin de notes. Oh, j'avais pas vu, il est très joli. Avec écrit love dessus. C'était le dernier. Une petite pince. Ils vont en remettre dans les rayons. C'était le dernier. Ça, c'était 3 euros. Alors, je vais te dire, non, ça doit pas être très cher, ça. Ça, on a payé ça. Ça doit être par là, Disney. Bon. Mini planchette, 79 centimes. Ah. Avec 40 feuilles mémo. Après, prochain achat. On a acheté. Oh oui, elle est belle. Une trousse emoji. Elle est belle. Approche-la, on la voit pas sinon. Donc, la trousse emoji, tu vois, il faut bien. Il existe en 4. Plein de couleurs, plein de formes. Voilà, et donc elle. Ça, voilà, dedans. Trousse, 89 centimes. Ça peut être du maquillage et tout, normal, des choses comme ça. Très bien, oui. Après. Ensuite, on a acheté. Oh oui. Du Pet Box Wash Tape. Les wash tape. Donc voilà. Donc, les petits rouleaux de wash tape, ils étaient à. Derrière, ils montrent, regardez. C'est pas cher. Voilà, ruban arc-en-ciel plus le dévidoir, 1,16 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout. C'est vraiment pas cher. Ensuite, on a acheté des lupons chez les petits. Ah, les bonbons. C'est des bonbons au Coca-Cola. Donc, les bonbons, on les a payés 99 centimes. Et c'est chez les petits. 99 centimes. Après. Après, on part sur un baume à lèvres, moisturant lip balm, 2 euros. 2 euros, le lip balm de Baby. En plus, oui, c'est Maybelline qui fait ça. Baby Lips. Crayon, oui, Maybelline, c'est Maybelline. Donc 2 euros, 1,99 € celui-là. Et puis il y avait l'autre, vous savez, celui qui est connu, lui, il a l'air plus grand. C'est pour ça qu'il était à 2 euros. Il y avait le normal qui était à 99 centimes, donc au cas où ça vous intéresse. Ensuite, j'avais 4 figures, donc j'avais Pédogome, Ananas qui était plus petite. Donc elle a pris celle-ci, 39 centimes. Poissons. Ils sont beaux, parce hein, que, après, parce qu'elle adore les gommes comme ça, Yona. Puis là, elle avait quartier libre, elle pouvait s'acheter ce qu'elle voulait, donc elle était contente. Parce qu'il y a quelques trucs, je crois que j'aurais dit non. Acheté une boîte de friedans. Une boîte de friedans. De chewing-gum. Alors, les chewing-gum, ils sont où? Alors, attends, tac, tac, tac. Fresh chewing-gum, 1,85 €. 50. 50 chewing-gum, ça va, c'est pas excessif. Après, on a le Pipsy Pembox. Encore les bonbons. Alors, c'est Maomam. Donc, ça, on va le partager dans la famille. Dans la famille, elle est gentille, Yohan, elle va partager avec nous. Alors, Maomam. Pinball. Et ça pique. Et après, j'en avais déjà goûté, on vous l'avait donné. 1,29 €. Mais c'est méga bon.
Après, on a acheté le barbecue. Oui, les sushi bar, alors ça. Alors, ça, à la base, j'avais un barbecue, un pizza, un sushi, etc. Alors, il y avait, oui, pizza, il y avait des brochettes. Et nous, on a choisi sushi. Alors, regardez, tout ce qu'il y a dans sushi. Il y a, c'est bien, il y a ça, là. Il faut les décrire, tu peux les dire, vas-y, pendant que moi, je cherche le prix. Donc, 4 fois Candy Diregui. Donc, Candy Diregui, c'est ça. Voilà. Après, j'ai le 3 fois Candy Uraki, c'est les petites boules. Après, on a 3 fois Candy Uboraki, c'est là, les deux gros verres avec là. Mmh. Et après, j'allais tout ce qui est les fils. Alors, les fils, c'est dans la boîte. Oh, ça a l'air bon. Et en fait, à la base, c'est. Là, regardez, il y a comme des petites billes là. C'est incroyable. On a vraiment des vrais sushis là. Des petites billes comme, vous savez, les trucs. Après, là, il y a les crevettes. Là, il y a les épices. Il y a les sauces. Non, il est vraiment très bien fait. Le sushi, nous, c'est celui qui nous donnait le plus envie. Il y avait les brochettes aussi qui étaient pas mal. La pizza. Peut-être une prochaine fois. Et le barbecue. Alors, ça a coûté 3,99€. Et oh, après, celui-là, c'est mon préféré. On a acheté slime, sauf qu'en fait l'emballage était ouvert. Donc, donc en fait c'est slime vert à paillettes. Alors ça, ça coûte 69 centimes à peine. Il y a des paillettes de cœur. Et Johanna, elle voulait avoir le 1 kg, elle avait vu sur une vidéo de YouTube. 1 kg et aussi. Ils vendaient 1 kg comme ça. De slime, on y allait, il n'y en avait plus. J'en avais plus. Ils ont tout dévalisé. Après. Oh, on en arrive à la fin, il est sans fin, c'est comme Harry Poppins. Fluffy, tu vas au fond. Fluffy. Oui, il est fluo celui-là. Oui. Ah, lui, on dirait un peu gluant. Ça fait tout gluant. La boîte qui est gluante. Fluffy, Poupie. Voilà. Gluant comme ça. Boîte, il y a toutes les couleurs. Toutes dégoulinantes. En fait, c'est comme une pâte à proutes. On verrait mieux avec le truc dedans. Oui, c'est comme une pâte à proutes. Et en fait, vous voyez, il y a la boîte, on dirait qu'elle l'a dégoulinée. Et après, il faut la revisser. En fait, tu la revises. Alors ça, ça coûte pas cher, à mon avis. Hein, non, plus, hein. Non. Ça doit coûter... Attendez... Tac. Non, je le trouve pas. Stretch Pupi, ça doit être à 89 centimes. Après, on a fait un Dix et Haribo Kid Barbie. Alors ça, je crois que c'est 2 euros et quelques. 2,29€. Voilà. Les 500 grammes. Donc ça, c'est pas cher du tout. J'ai des grosses cerises. En fait, ils sont énormes. C'est des énormes bonbons. Voilà. Kinder Mix. Je crois que ça vient d'Allemagne. C'est les bonbons d'Allemagne. Et regardez, même là, ils sont plus gros que sur les paquets. Ouais, plus gros que d'habitude. Et ça aussi, il y avait plusieurs goûts. On a choisi chez vous, là. Après, ça, vous adorez ça avec papa. Les langues de chat. Les langues de chat. Super, super court. Voilà. Alors, les langues de chat. De toute façon, je vous mettrai tous les prix en barre d'infos. Là, je vous dis les prix comme ça. Mais je vous marquerai tout en barre d'infos. Alors, les langues de chat. C'est bon, ils les ont vus, ma chérie. Hop. Ça coûte... Ça, c'est trop vrai. 1 euro, je crois. 99 centimes, je crois. 99 centimes, ouais. Après. Après, encore on a du slime. Une pâte. Alors, attendez, là, je vais vous l'ouvrir. Attendez, parce qu'il est un peu dur à sortir, regardez. Extensible. Ah. Non. Le Baby Lip, on l'a payé 1,95€, pas 2 euros. C'est presque pareil, mais bon. Regardez, là, je vais aller sortir à peine la moitié. Mmh. Et ça, je l'ai pas vu, tiens. Slime. Je le vois pas, celui-là. Peut-être, il est au biais. Je sais pas, je le vois pas. Je le vois pas sur le ticket de caisse, celui-là. C'était 1 euro, entre 1 euro et 2 euros et quelques. Non, c'était 99 centimes. Je ne vois pas. Tiens, vous avez 99 centimes. C'est déjà... Pupi extra, ils ont appelé ça élastique. Oui, c'est ça. Pas ça, je pense pas. Si, c'est ça. Je suis au pupi, tu crois? Non, je suis au pupi, c'est les autres. Je vois pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Bon. Je le vois pas sur le ticket de caisse, celui-là. Il n'y a pas de viande de qualité. Bah, c'est bon, il y en a. Tu passes au prochain. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tac. Donc maintenant, on va passer sur la pâte à modeler durcissante. Ah, ça, c'est génial. Donc, ça, c'est la Doc Edry. Alors, c'est 98% naturel, les ingrédients. Donc, c'est quoi? C'est Créal qui fait ça. C'est une pâte à modeler. Donc, vous faites ce que vous voulez avec. Et vous la faites sécher. Après, ça ressemble à de l'argile. 99% d'origine naturelle. Et elle a pris la blanche, Yana. Donc, elle va nous faire une belle sculpture, un beau cheval, j'en sais rien, une belle, j'en sais rien quoi avec. Et après, ou un chien. Père, il avait un peu fait, il a pris papa, des petits de caramel. Donc, ça, on adore, c'est notre péché mignon, vous savez, c'est les barres chinoises, là, caramel, bon, on les a mangées dans la voiture. Caramel et sésame, caramel et. Donc, ça coûte pas cher, c'est combien ça coûte ça? 43 centimes.
Yes. Mais voilà, mais ça coûte pas cher. Voilà. Donc là, t'as tous tes achats ? Oui. C'est bon ? Oui. Donc voilà, Yohana nous a montré tous ses achats. Elle en a eu pour 28 euros. Vas-y, Norman. Vas-y, Norman. Attends, moi, je vais te présenter maintenant mes achats à moi. On va prendre une tirouche, ça te fait envie. C'est bon ou pas ? Tu me diras comme ça si c'est des chewing-gums ou pas. Mais on vous a tout dit. Je crois que tu regarderas. Je crois qu'elle a oublié. Ah non, Disney, il est là. 89 centimes. Écoutez, le petit slime Disney. Donc maintenant, on va passer à moi. Donc moi, j'ai acheté un petit peu pour moi, un petit peu pour la maison, pour la famille, un petit peu de tout. Donc ce que je vais faire, je vais prendre. Ok, je vais prendre mon ticket de caisse. C'est pas un chewing-gum. Pour commencer. Si je le trouve. C'est des... Parce que je le vois pas, mon ticket. Maman, c'est pas des chewing-gum, c'est des boules comme ça qui piquent. Mais avec de la poudre comme était brûlée. Mince alors, j'ai pas mon ticket de caisse. C'est. Attends, ma puce de chou, donc je cherche le ticket. Je le tire, mais pas le mien. Ah, il est là, ah, il s'est faufilé. Voilà mon ticket de caisse. Donc, ça, c'est mon ticket de caisse. Donc, on va commencer par le premier article. Donc, talam, talam, talam. Ah oui, donc, oui, moi aussi j'avais un budget. Deux. S'il te plaît, tu peux ne pas faire du bruit pendant que je parle, ma grande. Alors voilà, j'avais un budget moi aussi de 20 euros, donc j'ai presque réussi à y arriver. Mais en fait, j'avais un dernier article que je vais vous montrer en premier, qui était celui-ci, qui coûtait 4 euros. Je vais vous dire ça. 4,24 €. Et j'ai dit, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Mais vu que j'avais déjà dépassé de 1 euro le budget, j'ai dit, allez, on le rajoute. Donc c'est pour ça que j'en ai eu pour 25,99 €. Donc, je me suis offert ces face sheet masques. Donc, vous savez, c'est des masques en tissu. Il y en a 5. Donc, il y en a un au charbon, un au rétinol, un à la vitamine C, un au collagène et un à l'aloe vera. Donc, j'avais déjà essayé un masque en tissu de la marque. C'était une bonne marque, Talica, je crois, qui faisait ça. Et j'avais pas du tout aimé leur marque. Donc, hâte d'essayer ceux de chez Action. En plus, je trouve que c'est pas très cher. Il y en a 5 pour 4,24 €. Je trouve que c'est pas abusé. Attends. Si tu veux les remettre dans le sac, après, s'il te plaît. Merci. Ouais, je vais remettre tous les objets à moi dans le sac. Si tu veux. Mais après, on va te voir. Eh oui, ma puce. Mets-le dans le sac au fur et à mesure. Respecte comme maman elle fait ses produits. Après, tu rangeras tout. Attends. Alors, regarde. Ça, maintenant, à part si tu veux y aller, là, moi, je présente. Hein. Tu veux partir. Si tu veux. Allez, mais je te laisse tranquille comme ça. Ben, je vais te présenter mes produits. Comme ça, Yohana, elle peut prendre les siens et faire ce qu'elle veut. Donc, maintenant, je les pose à côté de moi. Donc, vous inquiétez pas, s'il y a un petit bruit à côté, c'est Yohana. Donc, alors, là, j'écris des pailles, parce qu'on en a toujours besoin. Donc, j'écris le modèle normal et le méga modèle, parce que vous savez, on a les pichets, là, avec où on ferme le pot. Et on avait perdu les pailles, donc j'ai acheté des grandes pailles, des petites pailles. Donc, ça, c'est pas cher du tout. Alors, les grosses pailles, elles étaient au prix de 79 centimes et les petites pailles, 69 centimes. Après, j'ai acheté ça parce que ça faisait un moment que je les voyais et qu'on m'a dit il faut que tu goûtes, c'est super bon. Donc, c'est des sponge cake au goût crème vanille, on dirait un petit peu de la chantilly. Donc, j'ai fait la commande, j'en ai goûté une sur la route et c'est vrai que bah, franchement, j'adore. J'en rachèterai sans problème, ça coûte pas cher du tout, 99 centimes, j'ai payé ça. Donc, il y en a combien dedans? 5 petits gâteaux individuels. Donc ça, je vous les conseille vraiment sans problème. J'ai adoré, adoré, adoré. Donc après, ça, c'est le péché mignon de moi et mon homme. Donc c'est les lions peanuts. Donc, quand je les ai vus, c'est rare qu'on les voit en magasin. Je me suis dit, allez, on va les acheter. Donc ça, c'était au prix de les lions peanuts, 2,19 €. Donc ça, je trouve ça un petit peu cher quand même. Les 5, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Après, moi qui adore les loisirs créatifs, j'ai vu ça. Et donc, en fait, c'est à la mode. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ça. C'est un cercle comme ça auquel on va mettre des fils. Et après, on va venir. Ah, c'est une mouche. Vous avez vu la mouche qui est venue se mettre sur l'objectif. Et du coup, oui, on entoure. Et à la fin, ça donne une belle déco comme ça. Donc, ça, c'était pas cher du tout. Ça coûtait 1 €. 1,99 €. Donc j'ai hésité à en prendre plusieurs. Déjà, je vais essayer un. Et puis au pire, si j'aime bien, j'en reprendrai. Parce que c'est vrai que j'adore, moi. J'adore, j'ai fait des attrape-rêves. J'ai mon attrape-rêve. J'adore tout ce qui est loisirs créatifs. Donc dès que je vois des trucs qui me plaisent, c'est vrai que j'aime bien les acheter. Et après, créer. Donc après, on va passer. Je garde le make-up pour la fin. On va passer encore à la nourriture. Donc on avait besoin de miel. Parce qu'on adore cuisiner au miel. Donc voilà, on s'est pris du miel. Donc, miel, delicious quality, disent
Donc voilà, ça c'est 1,99€, je crois. Il y a le billet 350 grammes, 1,99€. Donc voilà. Après, nous allons passer encore au chewing-gum. Donc oui, ça j'adore, moi, les chewing-gum goût bubble gum. Donc j'ai pris un paquet chacun. Il y a 3 paquets pour 99 centimes, si je me rappelle bien. Voilà, 3 paquets de chewing-gum. Attendez, je vérifie. Non, c'est, pardon, 1,18€ les 3 paquets de chewing-gum. Donc c'est pas cher non plus. Donc voilà, maintenant, il ne me reste plus que la beauté, la beauté, la beauté, la beauté. Non, dernier produit maison, donc ça c'est pour, quand, pour mettre dans les balances, pour mettre dans les petits objets électroniques, les calculatrices, les montres. Donc ça, ça coûte 2,99€, on en avait besoin, donc j'en ai acheté. J'espère que ça ira dans mes piles, parce que dans mes montres, parce que c'est vrai que j'ai... 4 ou 5 montres, et les unes après les autres, elles m'ont lâché. J'avais des piles à la maison, mais elles ne vont pas du tout. Donc là, j'espère que celle-là, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites ici. Elles iront bien, donc, mais c'est pas cher. Les 20 pour 2,99€, c'est vraiment pas cher. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, le maquillage. Donc moi, j'ai toujours rêvé de tester le liner, vous savez, comme ça. Donc je m'étais acheté des pinceaux à liner qui sont comme ceci. Voilà, donc je vais tester tout ça et puis je vous dirai des nouvelles. Parce qu'ils ont mis un pinceau, mais il a l'air vraiment très 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 gros. Et j'ai toujours voulu tester le liner en gel ou le liner sec, vous savez, qu'on humidifie. Et j'ai vu ça sur, justement sur YouTube. Donc je me suis dit, ça tombe bien. C'est pas cher du tout, ça j'ai payé ça. Je vais vous dire, l'eyeliner 99 centimes. Donc au pire, peut-être que je ferai une vidéo où je testerai les produits, les nouveaux produits maquillage que j'ai, je sais pas, je verrai, je vous montrerai comment ça a donné, je vous dirai ce que j'en pense. Après, j'ai pris ce lip gloss, c'est un lip holographique bleu, je sais pas si vous allez bien le voir, mais alors il est magnifique, vu qu'il y a les festivals en ce moment, c'est un bleu turquoise, c'est dommage que, voilà, là vous le voyez bien, et j'ai trouvé très très joli, et ça aussi c'était pas cher du tout, donc ça j'ai payé ça, tuc, 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 99 centimes aussi, brillant lèvres holographique. Après, on arrive vers la fin. Non, 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 non. Donc ça, alors ça, j'ai craqué parce qu'il y a Herzl Dazzle, je sais plus comment on dit. Vous savez, c'est les petits fils qu'on met dans les cheveux. Herzl Dazzle, je sais plus. Ah, ça m'énerve, ça m'est sorti. Herzl Dazzle, je crois. Herzl Dazzle. Et c'est des petits fils holographiques qu'on met dans les cheveux. Je trouve ça magnifique. Moi, j'ose pas les acheter parce que j'espère qu'avec mes cheveux bouclés, ça n'aille pas. Et ils vendent aussi des paillettes comme ça. Et c'est des paillettes qu'on met au milieu de la tresse. Et alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est magnifique. Alors, il y en a des turquoises et des holographiques. C'est dommage, la caméra ne rend pas bien. Ils ne rendent pas bien les couleurs, mais alors les pots, ils sont énormes, comme vous pouvez voir. Il y a le petit pinceau pour les mettre. En plus, le pinceau, ça a l'air d'être un pinceau de qualité. Donc, vraiment, top, top. Et ça, c'est pas cher du tout. Je vais vous dire, quand j'ai vu le prix, j'ai dit, je prends de suite. Alors, j'ai payé ça 1,89€, les deux pots. Donc, c'est vraiment donné. Donc, après, alors ça, dès que j'ai vu ça, le Bubble Face Mask. Alors ça, j'ai craqué. Il y en a trois. Trois bubble face mask. Donc ça, tiens, je ferai peut-être une petite vidéo rigolote où je testerai des nouveautés que j'ai achetées à Action. Ça peut être rigolo de faire une vidéo où je teste avec vous tout ça. Donc là, on parlait du masque, de trois masques. Les trois masques, bubble mask, 99 centimes. Ça valait pas le coup de s'en passer. Et le dernier pour la fin, c'est des crayons. Pour les yeux, eye pencil. Donc vous voyez, moi j'adore les crayons pour les yeux. Là on a toutes les couleurs, du noir, du marron, du plus clair, du rose, du bleu, du vert. Donc je sais pas ce qu'ils valent. Je ferai un maquillage avec. Je prends une vidéo crash test où je crash teste toutes mes nouveautés. Donc ça, ça coûte. Toum, 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 toum. Ça coûtait pas cher aussi. Alors voilà, les 7 de pinceaux, 2,49€. Et vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, donc c'est vraiment pas cher du tout. 2,49€ les 10. Il y a le noir, le marron plus clair, du rose,
du rose plus foncé, du orange, du bleu. Donc c'est vraiment, bah, les couleurs sont là, regarde. C'est vraiment top top. Après à voir s'ils tiennent bien dans la muqueuse, s'ils sont bien. Donc voilà, ce haul action est terminé. J'espère qu'il n'aura pas duré trop longtemps et qu'il vous aura peut-être donné envie d'aller vous rendre dans votre action. Moi j'habite à Arles, donc c'est le action de Arles. Quoi, j'habite pas à Arles, j'habite à Fontvieille. Mais on va à Arles, nous, action de Arles. Donc voilà, c'était au action de Arles. Sur ce, bah, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Laissez-moi vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire, qu'ils soient positifs. Même négatifs, ça m'aide à évoluer s'ils sont productifs. Il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre. Me revoilà, j'avais oublié de vous montrer ça. Alors ça, vous connaissez peut-être les élastiques ressorts. D'habitude, c'est en plastique. Alors moi, je les adore. J'en ai plein, plein, plein. Et là, il s'avère qu'ils les ont fait en genre d'élastique tissu. Je vais vous les ouvrir pour vous montrer. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ah oui, mais en fait, non. C'est les mêmes. Ils sont en plastique, sauf qu'ils les ont recouverts de tissu. Formidable. Donc ça, j'ai payé ça. 1,59€. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Donc eh ben, je recommence, je vous fais plein de gros bisous.